Bonjour, c'est José. Nous sommes sur le parcours Est. Nous sommes en Italie. Donc je viens de vous montrer les panneaux. Et nous continuons en direction de San Remo. Aujourd'hui il fait frais. On va aller un petit peu sur le trottoir. On en a un. Ah. Nous passons le il Torrente Nervia. Mais voici le Torrente Nervia. Et c'est un danger enneigé. C'est en direction d'Argenter là-haut, 3000. Si c'est pas ici à 3000, ça doit skier là-haut. Alors rentrons dans le lieu dit Campo Rosso. Le voici, Campo Rosso. Et doucement, c'est le début. La benzina, c'est la station de servizio. Continuons tout droit sur la strada alle uno. Ce serait l'équivalent du national 1, numéro 1. Elle doit aller très loin celle-là, la 1. Sur la Via Aurelia. Ah, il y a un petit peu moins d'air là. J'ai un très grand plaisir à être avec vous aujourd'hui. J'adore ce parcours Est. Le soleil est en train de se lever. C'est dimanche. De préférence, je choisis le dimanche pour venir filmer en Italie. Il y a un tout petit peu moins de circulation. Surtout à cette heure-ci. En semaine, si je ne suis pas obligé, j'évite. Les gens se déplacent beaucoup en Italie. Regardez la température, 5. Ah, je sentais que ça s'était rafraîchi. Ah, il fait 5 degrés ici. Et on est sur le littoral. On longe le bord de mer par l'intérieur, 5 degrés, à 1000 mètres, c'est zéro. Très beau magasin, Negozi, une grande réputation bien sûr en Italie sur le design. Ils ont la culture du design. Il bello. I vestiti, les habits. Ce sont des as en esthétique. Il vino. Un peu mouché. C'est agréable de courir comme ça au petit matin. C'est différent. Pâtisserie.
Elle est ouverte. I cioccolate. Et nous continuons. Regarde si vous êtes toujours là, parce qu'avec le frais, des fois il y a des petits problèmes techniques. Le record fonctionne parfaitement. Ah oui, repartons. C'est pas mieux de faire comme fractionner là. Ça monte un petit peu. Il note parce qu'il s'habille. Ah, ils aiment bien les gâteaux, hein. Ils ont une grande réputation en gâteaux et chocolat. Ils les aiment, parce qu'il est bon. L'italien est bon vivant, donc il aime. C'est un émotionnel. Ah oui, on voit bien la route du bord de mer ici, vous voyez, qui mènerait au bord de mer, mais je préfère faire l'intérieur aujourd'hui. Spécialité gastronomique, salume. Grazie. Et le café. Et là, regardez les merveilles, regardez. Regardez tout ce qui me tente là tout autour. Café, gelati. Ils vendent même les glaces. Mais pas pour aujourd'hui. Bien sûr, grande tradition de glace. Plus on va aller vers le sud. Voilà des musiques. Hein. École de musique. C'est plat. Notre café. Une très belle église, regardez, elle est magnifique. C'est dimanche, les lieux de culte sont fréquentés, les gens vont prier, vont à la messe. Et nous longeons toujours le bord de mer. D'angle. Le soleil est en face.
On est plein est. C'est pas très agréable, sauf que ça nous réchauffe. Machina. Et alors nous quittons Vallecrosa et nous rentrons dans Bordighera que nous allons traverser tout de suite. Bordighera. Voilà, plein soleil. Je voulais vous le montrer, Bordighera. Le voici. Continue un petit peu. Sans discontinuer, les lotissements sont sur les uns à côté des autres. Oui, il fait 7 degrés, j'ai senti que c'était remonté un petit peu grâce au soleil. 7, c'est déjà plus agréable. Ils mettent les thermomètres électroniques pour qu'on sache. Regardez les fleuris, c'est magnifique. Regardez ça. Magnifique fleuriste. C'est tout le long là. Ah, un peu moins dans l'axe du soleil, là, protégé par les bâtisses. Une marbrerie. Artigianali, specialità. Bonjour madame. Posso entrare per vedere con la telecamera? Posso? Non gli dà fastidio, eh? Gentiment, la dame me laisse se regarder parce que j'ai vu artisanal, alors j'étais attiré. Regardez les spécialités de la tourte. Non, mais quand on ritorne, on prend un pezzo, hein, parce que moi, non, pas on va déjà, mais en ce moment. Non, regardez les gâteaux. Tout est artisanal, signor. Si. Questo è bello, questo mi piace. Et pourquoi la question d'une trate? Regardez, elle vient de me dire, la dame, que tout était artisanal, donc fait maison. Voilà. Alors ci vediamo dopo, grazie signore, è molto gentile. Je lui ai dit que j'allais revenir. Et comme ça au retour, je mangerai un morceau de tourte. Si vous êtes finard, je sais, blette, épinard. Quelquefois la courge, je vais boire un peu, j'ai vu le beau gâteau aussi. Ah, il y a un vrai accueil, vous avez vu. Les gens sont adorables. Accueillants, ouverts. Ça fait plaisir. Et les amis cyclistes que j'ai vu passer tout à l'heure sont en train de prendre le café. Aye, aye. Ah, grâce. Et bon courage. Ah, 7 degrés, ça va déjà mieux. Tout à l'heure, là, près du torrent, là, il faisait moins que ça, que j'en suis sûr. À la direction Spedaletti, toujours sur la Strada Leuna.
Alors, nous allons nous arrêter ici. Direction San Remo et Al Mare et Ventimiglia, de l'endroit où on vient. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi dans cette séquence fraîche, mais très agréable. J'ai fait des repérages déjà en étant avec vous de la tourte artisanale que je vais maintenant m'empresser d'aller choisir pour être bien sûr en pleine forme une autre fois. Merci beaucoup pour toutes vos connexions. Je vous embrasse tous et toutes très très fort. Merci du fond du cœur. Merci. À bientôt.